C'est le syndicat des agents de maîtrise de TELUS qui dénonce ces dernières suppressions de postes. 50 personnes sont touchées, principalement ici à Rimouski, mais aussi ailleurs en province. 7 employés ont vu leur poste être aboli, alors que 49 autres, dont 42 ici à Rimouski, ont reçu des offres de départ. Lors de la dernière vague de coupures chez TELUS l'automne dernier, 20 postes avaient été abolis, principalement dans les services affaires, alors que ces 50 postes ciblent aujourd'hui le secteur des services aux consommateurs. C'est le même scénario ailleurs en province. D'autres offres de départ ont été envoyées dans les dernières heures. Ils nous annoncent 120 autres offres de départ à la grandeur du Québec, là. Nos décideurs au Québec, on n'en a plus. C'est toutes des décisions qui se prennent dans l'Ouest canadien. Et eux, leur modèle d'affaires, c'est une guerre ouverte aux employés syndiqués. L'entreprise répond que, considérant le contexte économique difficile et notre marché qui est de plus en plus dynamique, nous accélérons la transformation de notre entreprise ainsi que la manière dont nous servons nos clients. Ils insistent sur le fait que plusieurs employés touchés ont reçu une offre de départ. La vaste majorité de ces réductions sont liées à des offres de départ volontaires, ce qui permet aux membres de l'équipe d'accepter de généreuses offres pour prendre leur retraite ou d'explorer de nouvelles occasions de carrière en dehors de notre organisation. Depuis 10 ans, plus de 6 800 emplois syndiqués ont été perdus au Canada chez TELUS, alors que près de 60 000 ont été créés à l'extérieur du pays. Le président du syndicat réclame un cadre législatif pour freiner l'exode de cette expertise. Ça prend un cadre législatif, ni peu ni moins, là, pour empêcher ces entreprises-là de siphonner l'expertise puis de bons emplois de qualité reliés à un secteur d'activité crucial pour notre économie. L'Internet puis les services de communication aujourd'hui sont rendus indispensables. Puis on est tout en train de mettre la gestion de ça dans les mains d'étrangers. Dans les dernières années, TELUS employait jusqu'à 1 400 personnes ici à Rimouski, étant l'un des plus importants employeurs de la ville. Katia Laflamme, TVA Nouvelles, Rimouski.